Salut à tous, bienvenue sur Direct Snap, j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. On se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Loana et Sylvie Ortega. Loana s'est exprimée sur Instagram et raconte à travers un post que Sylvie Ortega serait à l'origine de cette fameuse rumeur. Comme quoi Loana serait enceinte de son ami Eryl. Elle en profite aussi pour expliquer cette fameuse histoire de bijoux volés. Sylvie Ortega est du coup très énervée après les déclarations de Loana et a décidé de prendre la parole en story Insta pour donner une réponse directe à Loana. Mais bon, moi je vous en dis pas plus, je vous découvre les images. N'hésitez pas à partager vos réactions en commentaire. Bonne vidéo à tous. Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Donc, je vais le faire très très court avec cette vidéo, enfin je vais essayer de la faire courte. Voilà, maintenant, moi ça fait longtemps que je dis que ça ne m'intéresse plus. Et d'en remettre une couche tous les jours, ça commence sérieusement à me gaver parce que j'ai quand même une vie à côté de ça. Les histoires de Miss Monde ne m'intéressent en aucun cas, mais vous savez bien qu'on a toujours droit à des droits de réponse. Donc le problème, je vous gave peut-être en passant. Et ça, j'en suis consciente. D'ailleurs, je vous remercie pour tous vos mots d'amour et je remercie les gens d'ouvrir leurs yeux. Et c'est pas ça que j'attendais, mais je vous remercie vraiment pour tous les encouragements et l'amour que vous me portez. Et ça, j'en suis très reconnaissante. Je suis désolée de vous gaver à travers un. À couper, donc je suis désolée évidemment de vous gaver sur Insta avec ça, mais je vous donne mes droits de réponse comme ceci, parce que moi ça ne m'intéresse pas de vous donner des interviews parce que je trouve ça ridicule de tourner en boucle sur une personne qu'on voit bien qui n'a pas toute sa tête, ou plutôt qui sait aussi quand même ce qu'elle fait, et je suis arrivée même à dire qu'elle est complètement folle et qu'on doit l'interner immédiatement. Voilà. Concernant mon Insta, effectivement, je m'exprime dessus parce que c'est très rapide, c'est beaucoup plus facile que de passer à appeler public closer et etc. etc. comme ils font et de passer trois quarts d'heure d'interview à parler d'une personne qui est absolument insauvable et qui est complètement complètement hilarante, délirante, et que d'une histoire de bijoux ça passe à une grossesse que j'aurais fait porter sur le dos. En aucun cas j'ai parlé de ça du tout, en aucun cas. Si quelqu'un me trouve cette phrase que j'ai dite, voilà, ça voudrait dire vraiment que je perds la tête. Voilà, donc ça me gave, ça me saoule, vraiment ça me saoule au plus profond, parce que ça ne m'intéresse pas et ça ne m'intéresse. Il a le mec et puis qui fait tourner en boucle des trucs sur moi. Bon, voilà. Les bijoux, vous pensez bien, je vais faire très rapide, les bijoux, vous pensez très bien qu'on les a checkés. On les a checkés, évidemment, avec quelques-uns de l'équipe. Et ça les intéressait absolument pas. D'ailleurs, ils m'ont dit, t'as pas à nous montrer rien du tout, Sylvie. Bon, voilà, maintenant ils peuvent pas. Je vais pas dire de quel côté ils sont. Hein. Ils trouvent cette histoire complètement délirante de bijoux. C'est pour ça qu'ils font un buzz dessus, d'ailleurs, déjà, pour commencer. Mais moi, je me protège toujours. Donc, quand j'avance quelque chose, j'ai des preuves à l'appui. Voilà. Donc, vous pensez bien que les bijoux, on me colle sous le dos, que je lui ai dit qu'elle était enceinte de monsieur. Donc, voilà. Voilà. Je sais que ça n'intéresse vraiment personne, parce que moi, mes follow, c'est pas le même monde. Mais effectivement, j'ai droit à un droit de réponse et je n'ai pas envie de passer par la presse, les faire chier un jour férié, à les appeler pour passer trois quarts d'heure avec eux pour dire la même chose que je suis en train de vous dire là. Voilà, tout simplement. Donc, j'espère que vous passez une bonne journée. Je vous fais des bisous à tous et à bientôt sur d'autres choses, évidemment. Voilà, bisous.